Bonjour à tous, me voici de retour sur YouTube. Ça faisait environ plus d'un mois que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube et me revoilà, tenez-vous bien, pour parler de la Coupe du Monde de football féminine, hein, et plus particulièrement de l'équipe de France féminine. Et oui, dès ce soir va avoir lieu le premier match de l'équipe de France féminin pour cette Coupe du Monde 2015 qui se déroule actuellement au Canada. Hein. Et ben là, je vais vous expliquer ce que va se passer durant mes prochaines vidéos sur YouTube. Je vais parler essentiellement de l'équipe de France. Bien sûr, ce sera mis en ligne sur la chaîne Zakou Foot. Hein. Zakoumis qui mettra en ligne sur la chaîne Zakou Foot. Donc je parlerai essentiellement des matchs de l'équipe de France parce que le reste des équipes, bon, ça serait trop long à expliquer, ça serait trop long à faire, hein. Y a trop de matchs en même temps, donc je peux pas tout faire. Donc je vais faire essentiellement les matchs les plus importants de l'équipe de France, à commencer par celui de ce soir. Enfin, je ferai une analyse d'après-match le lendemain parce que ça serait un peu tard, si c'était juste après la fin du match, peut-être. Voilà. Donc voilà, en fait, en gros, c'est ça. Je vais faire tout. Je vais faire des vidéos sur l'intégralité des matchs de l'équipe de France féminine. Je vais donner mes analyses pour quasiment chaque match de l'équipe de France féminine de football. Voilà. Pour chaque match, ça sera à peu près pareil. Je ferai de mon mieux pour donner mon analyse, dire ce que je pense de chaque match qui sera déroulé, hein, de cette Coupe du Monde 2015. Tout ce que j'espère là, c'est que l'équipe de France fera un très beau parcours et qu'elles gagneront si possible cette Coupe du Monde. Ça ne sera pas facile, mais j'y crois parce qu'elles ont tous les arguments pour gagner cette Coupe, hein, parce que je pense que lors des derniers matchs amicaux face aux États-Unis, elles ont gagné 2 à 0. Hein, les États-Unis, c'est la grande favorite. Hein. Une des grandes favorites de cette Coupe du Monde. Et aussi 1 à 0, elles ont gagné plus récemment face au Canada, qui est le pays organisateur de cette Coupe du Monde. Donc, et qui est aussi une belle nation parce qu'elle avait terminé 3e des derniers JO en 2012. Voilà. Donc, moi, je dis que la France peut aller très loin et même gagner cette Coupe du Monde. En espérant qu'elle ira au moins chercher la troisième place si elle ne gagne pas cette Coupe du Monde. Voilà. On peut faire confiance bien sûr à Louisa Nessib et Eugénie Le Sommer, Wendy Renard, hein, Amandine Henry, Marie-Laure Boulot. Marie-Laure Dely, non, Laure Boulot, Marie-Laure Dely et les autres là, hein, il y a certains noms. Ah oui, peut-être Camille Abili aussi, si elle est toujours là. Bon, bref, toute l'équipe de France féminine. Je souhaite un très beau parcours à cette équipe de France féminine. Et on ne s'en fout pas des femmes en football. Au contraire, hein, elles doivent être autant médiatisées que les garçons, que les footballeurs hommes. Voilà. Et ça sera diffusé sur W9, le tout premier match des Bleus. Hein. Allez, sur ce, je vais vous laisser. C'était juste pour annoncer mon retour et dire ce que je vais faire dans les prochaines vidéos sur YouTube pour parler de l'équipe de France féminine de football. Sur ce, je vous laisse. Ciao, 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 les amis! Yeah.